Vous êtes venu vous amuser sur la terre. Si je ne travaille pas, fait quoi? Si je ne travaille pas, fait quoi? Vous devez avoir la rage de réussir. C'est ça que vous faites après les déceptions qu'on vous gifle. Oui. Oui. Faites vos bains dansants le soir. Il y a quelque chose qui se passe à l'échelle planétaire. Donc là, on est en train de bosser au studio et puis je me suis dit, bon. J'étais pas censé faire de vidéo maintenant, mais ils m'ont dit qu'ils veulent vous parler. Donc, je vais me connecter et je vais voir ce qu'ils ont à dire sur l'échelle collective à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? OK? Ah, c'est mes encens de perles. Encens de prospérité. Nettoie cette atmosphère. Je demande l'assistance des ancêtres. Je reçois les paroles appropriées pour vous donner les informations que vous avez toujours demandées. Écoutez juste, vous aurez sûrement une information qui va vous concerner. Bonsoir à vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet espace que nous avons créé. Ça fait des années-lumière que vous avez posé des questions. Avant de venir, vous avez demandé. Vous êtes venu pour accomplir des choses spécifiques. Malheureusement, vous êtes arrivé et vous vous êtes embrouillé sur le chemin. Mais aussi grand que vous êtes en tant que maître, même ces embrouilles étaient votre chef-d'œuvre. Donc nous sommes là pour sonner la clochette d'alarme. Pas une alarme, mais un rappel. Il est temps. De la même façon qu'on sonne et on sort de la cour de récréation pour rentrer et continuer les études à l'école, nous vous rappelons votre mission. Vous avez longtemps cherché ce que le monde vous dit de chercher, désiré ce que les autres désirent. Certains ont mis leur vie en péril. Vous avez appris beaucoup de leçons. Certaines personnes ont prévu de faire encore 3 cycles. Et par cycle, parfois, nous entendons une vie. Donc, certaines personnes viendront 3 fois avant de se mettre définitivement dans l'accomplissement de leur mission. Vous devez arrêter de regarder la douleur passagère, la douleur temporaire que vous ressentez. Le manque d'argent n'est qu'un symptôme. La maladie n'est qu'un symptôme. La solitude
la confusion. Toutes ces personnes qui semblent vous avoir démuni de ce qui vous appartient. La maîtrise que vous avez, c'est de leur prouver à la fin du film que c'est vous qui aviez écrit le scénario. Nous répétons, c'est vous qui avez écrit le scénario. Vous comprendrez maintenant ce que signifie Isaïe 54. Lorsque nous disons, c'est Dieu qui a créé celui qui fabrique l'arme pour tuer. Donc quand vous êtes en lui, vous n'avez pas peur de ce que l'arme peut vous faire. Parce que l'arme est dans son plan et dans son scénario. Nous savons que vous êtes encore concentré sur vos petites douleurs, comme des bébés qui ont faim. Et vous ne voulez pas grandir. Mais ne vous inquiétez pas, la vie va vous réveiller. Ça, ce sont de beaux mots. Tant que vous n'apprenez pas à maîtriser votre puissance, vous allez souffrir. Tant que vous n'apprenez pas à créer de l'argent, vous allez souffrir. Tant que vous n'apprenez pas à maîtriser votre énergie qui crée des mondes, qui multiplie. Quand vous regardez les films, vous pensez que c'est de la science-fiction. Mais nous essayons en vain, malheureusement, de vous montrer le pouvoir qui est en vous. Vous êtes très puissant. Ce monde, cette matrice, cette société est censée vous faire croire. C'est une illusion, un voile. Et vous avez accepté cela quand vous veniez. Maintenant, ceci n'est que l'entrée en matière. Aussi puissant que vous êtes, vous voyez tout, mais vous voulez prétendre ne pas savoir. Vous savez tout. Si vous voulez, vous pouvez vous connecter et connaître tout. Vous pouvez vous connecter à une planète qui n'est même pas nommée dans votre système solaire. Vous pouvez vous connecter à tout l'univers. Donc officiellement, nous venons ce soir vous annoncer que si vous êtes simple et vous ne voulez pas rentrer dans des premières... Ce que je vous enseignais sur cette page, c'était la base, la fondation. Maintenant, ceux qui ont commencé à discipliner leur corps et leur esprit. Vous allez commencer à recevoir des rêves, des visions, des visites, des inspirations. Et vous allez commencer à créer d'énormes sommes d'argent en dormant, en y pensant. Juste par vos paroles. Vous allez commencer à bouger des montagnes. Ce que Jésus dit dans la Bible va commencer à prendre chair en vous, à travers vous et à votre avantage. Donc nous vous invitons à quitter cette page. Si jamais vous n'êtes pas encore prêt à faire face ou encore à accueillir votre nouvelle version, ne vous en faites pas, nous vous parlons déjà dans vos rêves. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que vous êtes aussi attiré par ce que cette femme dit. Vous ressentez des frissons actuellement. Ceci fait partie de votre accord avant que vous ne veniez. Rappelez-vous. Vous êtes amnésique. Demandez, touchez vos oreilles, touchez vos yeux et vous recevrez. Vous allez recevoir des solutions. De nouveaux business vont naître cette nuit.
Vous allez sentir un mécontentement. Et tant que vous ne mettez pas en pratique ce qu'on va vous montrer, vous n'aurez pas la paix. Au départ, nous demandions votre avis. Nous faisions semblant. Et cette jeune femme passait son temps à crier ici. Lavez-vous avec du sel. Lavez-vous avec du sel. Malheureusement, beaucoup ne comprendront pas. Nous vous invitons à partir. Beaucoup se sentiront offensés parce qu'on leur dira qu'ils sont des dieux. Quelque chose de nouveau se passe. Vous voyez la naissance d'une nouvelle ère dans la francophonie. Voyez-vous comme des morts dans un cimetière qui écoutent des paroles et qui reviennent à la vie. Ézéchiel, chapitre 37. Il a parlé aux eaux. Allez lire cela ce soir. Allez lire. Parce qu'il y a un processus qui a commencé en vous, juste à l'écoute de ces paroles. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dans 6 mois, vous ne reconnaîtrez plus votre vie. Parce que vous aurez accompli tout ce que vous attendiez depuis 15 et 18 ans pour certains. Joël chapitre 2 va prendre tout son sens. Je restaurerai les années qui ont été volées, dit le Seigneur. Vous allez commencer à vous rappeler des passages bibliques, parce que tout ça faisait partie de votre cheminement. Les années à l'église, les années avec vos parents, les années dans ces foyers où vous avez été maltraités. C'était nécessaire, vous étiez censé constituer du matériel, de la matière, de la substance. Beaucoup d'entre vous vont devoir apprendre à pardonner aussi rapidement que de cligner des yeux. Vous devez pardonner. Parce que le pardon va vous reconnecter instantanément. Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Il est plus profitable pour vous que je meure. En effet, il était plus profitable pour vous que nous partions avant. Et là, nous sommes là pour collaborer avec vous. Certains, vos tantes sont avec nous, vos mères. Vos grands-mères adorées, vos oncles, vos pères. Et leur énergie est le carburant de ce que nous faisons. Beaucoup d'entre vous, cette nuit, vous allez encore voir cette jeune femme. Oui. Elle est le canal et le vaisseau que nous allons utiliser pour vous confirmer ce que vous savez déjà. Quand vous allez l'écouter, votre puissance va se multiplier. Nous précisons bien se multiplier. La puissance de votre langue va augmenter. En effet, elle a passé son temps à vous enseigner. Mais il y en a qui sont déjà prêts pour entrer dans cette nouvelle ère. Et nous l'avons préparée. Il y a quelques années, elle a demandé à être un vaisseau pour aider la francophonie. Donc nous l'utilisons et nous vous le disons officiellement ce soir.
Beaucoup ne croiront pas, bien sûr. Même Jésus n'était pas accepté par tout le monde, donc ne vous en faites pas. Vous aurez besoin de beaucoup de concentration. Vous devez vous lever très tôt le matin, 4h30 pour certaines personnes. Faites-en un rituel. Mettez-vous en position assise. Mettez vos encens et trois bougies. Et là, vous demandez à vos ancêtres, connus et inconnus, remontez dans votre lignée jusqu'à la sixième génération. Demandez leur présence et vous allez sentir la puissance remplir votre pièce. Ils auront bien sûr un message chaque matin. Premièrement, votre puissance financière. En 3 semaines, vous allez pouvoir multiplier par 100 vos revenus. Pour ceux qui obéiront. Nous sourions parce que vous êtes incrédules. Vous ne croyez pas. Vous avez des idées, vous sentez en vous le pouvoir monter. Mais vous ne sautez pas. Vous pensez vraiment que vous êtes seul? Vous pensez vraiment que vous êtes seul? Non. Vous devrez aussi prendre beaucoup de notes. Donc, acheter beaucoup de cahiers. Très bientôt, ce sera impossible de parler à cette dame qui vous parle. Donc, vous allez prendre l'habitude de l'écouter en groupe. C'est de là que vous recevrez vos instructions. Cette nuit, ce pouvoir est multiplié par 10. Il va toucher 5 nations supplémentaires. Il y aura des délivrances cette nuit. Certains, vous allez recevoir vos titres de séjour. Et là, vous vous rendrez compte que ce n'était pas ça que vous attendiez. Il fallait que votre pouvoir s'ouvre. Il fallait que votre puissance s'active. De la même façon que Sangoku changeait de couleur quand il s'activait. Ses cheveux, nous voulons dire. Vous verrez que vos envies vont changer. Ce n'est pas ce passeport que vous vouliez. Vous avez plus à créer, vous avez plus à faire. Vous sentez que vous pouvez manipuler plus que ce que vous avez actuellement. Certains, vous allez devoir quitter vos maris. Vous êtes avec beaucoup d'hommes. Ils vous ralentissent. Ils boivent votre énergie. Et vous le savez. Mais vous ne voulez pas savoir ce que vous pouvez faire tout seul. Beaucoup, vous allez partir en retraite spirituelle. Peut-être vous allez venir au Cameroun. Et ces retraites seront comme une pile qui se recharge. Vous en sortirez avec de la clarté mentale, le contrôle sur votre vie. Beaucoup de malédictions générationnelles seront brisées. Beaucoup d'oppressions seront aussi enlevées. Beaucoup d'entre vous, vous étiez en dépression, vous étiez en phase de désert, voilà. Et votre désert se caractérisait par comme une sorte de folie. Parfois, vous n'aviez pas envie de vous faire les cheveux. Vous aviez mal à la tête.
Ce soir, vous changez de vibration. Nous vous apportons les réponses. Beaucoup de reines et de rois vont porter leur couronne cette nuit. Vous allez être élevés dans le ciel et vous allez porter des couronnes, certains 7, certains 12. Et la reine Jocelyne, elle en a 12. Vous avez essayé, mais vous ne pouvez pas la descendre. Vous ne pouvez pas. Donc faites attention. On ne touche pas à ceux qui sont oints et appelés. Parce qu'ils sont là pour faire un travail précis. Le nombre d'âmes qu'elle est appelée à toucher porte beaucoup plus devant le Créateur. D'où la conservation de sa vie. Vous êtes avec des personnes pour leur argent. Vous sortez avec des hommes pour leur argent. Et chaque nuit, vous savez que vous devez arrêter. C'est parce que l'argent que vous avez dans votre vibration est le plus grand que cet argent qu'il vous donne. Certaines, vous devez arrêter cette nuit. D'autres, vous allez attendre peut-être 30 jours. Vous allez vous purifier avec du sel et de l'eau. Vous devez enlever toutes les énergies qui ont bloqué vos chakras. Ainsi, vous pourrez restaurer votre étoile. Vos enfants sont avec nous, malgré le fait qu'ils soient chez vous, à la maison. Ils sont plus connectés avec nous que vous. Il y en a qui viennent nous visiter la nuit comme vous. Mais vous ne les écoutez pas. Pourquoi? Parfois, ils nous voient dans la maison. Ils vous disent, mais vous ne croyez pas. Tout se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Vous devez savoir reconnaître les nouvelles ères. Les niveaux qui diffèrent. Quand vous passez dans une nouvelle ère, vous devez sentir l'énergie bouger. Ne vous laissez pas manipuler. Aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle sentait quelque chose de différent. Elle ne savait pas quoi. Parce qu'il était temps. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des guides pour vos familles. Mais vous doutez de vous. Pourquoi? Ils n'attendent que votre puissance pour être délivrés. Vous vous cachez, vous avez peur d'eux. C'est comme une souris qui va regarder un adulte. La souris a peur de toi. Elle se dit, oh, elle va m'écraser. Cette grosse créature va m'écraser. Et toi, l'adulte, tu as peur de la souris. Ça n'a pas de sens. Ces échanges pourront parfois durer 2 heures. Mais pour aujourd'hui, nous verrons ceux qui vont mettre en pratique ce que nous avons dit. Nous verrons ceux qui vont obéir, parce que ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Nous sommes avec vous jusqu'à la fin des temps. Pour le moment, nous voulons vous dire de croire en vous. Croyez en ce que vous venez d'écouter.
Croyez en ce qui vient de se passer. Au revoir. Bon, j'ai terminé. C'était différent. C'était nouveau. Généralement, j'oublie ce que je dis quand ce n'est pas moi qui parle. Donc, si vous n'avez pas bien suivi, réécoutez la vidéo. Et vous passez une bonne soirée. Vous dormez bien. Bye.